cette équipe de Stand. C'est une équipe vachement ambitieuse qui a quand même pris la peine d'acheter un international belge cet été en défense comme Nicolas Lombard. En termes d'individualité, ça forme un vrai groupe. Il y a une belle cohésion, un tout nouveau stade, un engouement. C'est pour moi le club du futur, ça c'est évident. Ici, en Belgique, vraiment, c'est l'équipe qui est la mieux préparée, ça c'est une évidence. Pas rappeler quand même que l'année dernière, ils ont été en finale de la Coupe de Belgique contre Zulte et au final, bon, ils ont perdu. Ils ont terminé 4e en play-off 1. Et ils ont gagné la finale, en fait, face au vainqueur des play-off 2, donc c'était Genk, et ils l'ont gagné. Et donc, c'est grâce à ça qu'ils ont eu accès aux préliminaires, donc, de l'Europa League. Sur du 15 000, je pense, entre 15 et 17 000. Donc c'est pas quelque chose de très, très grand, mais ce qui est bien, c'est que c'est très, très professionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment un stade très neuf. Les gens sont gentils, il y a une bonne ambiance. C'est vraiment le meilleur, le stade de Belgique où on est le mieux reçu.